Un matin pluvieux, dans le centre-ville de Tours. Faut-il marcher, faut-il courir? Chacun fait son choix. C'est un réflexe, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi, je fais comme tout le monde. Non, on est bien mouillé là quand même, là, ce matin-là. Ouais, mais ça fait du bien. Alors qui du jogger ou du marcheur sera finalement le moins mouillé? Il paraît qu'il y a une théorie là-dessus qui dit qu'en fait, on est plus mouillé quand on va plus vite. Quand on court. Pourquoi? Parce qu'on prend plus de gouttes, comme on fait plus de distance. Distance, vitesse, toutes ces notions nous renvoient sur les bancs de l'école. Benjamin, professeur de sciences physiques, va nous aider à résoudre le problème. La science est formelle là-dessus, le temps. La première formule est avant tout logique. À la vitesse. Si on augmente notre vitesse de déplacement, forcément, on va passer moins de temps sous l'eau. Prenons Gérard. Mais attention, un autre facteur entre en jeu. Si on court dans le sens du vent, on va diminuer la vitesse relative des gouttes d'eau qui nous arrivent dessus et forcément, la quantité d'eau va diminuer, on va être moins mouillé. Démonstration dans la rue, quand justement, le vent s'ajoute à la pluie. C'est plus pénible quand on est face au vent. On se mouille davantage? J'ai l'impression. Quand on a le vent dans le dos, on mouille un peu moins. Donc vous marchez Comme ça, sur le côté. Ultime solution, sortir son plus beau parapluie et partir en courant vers des destinations ensoleillées.